C'est bon, il dort. Je vais pouvoir prendre son téléphone. Ma vengeance sera faite. Alors Peppa Pig, on a voulu confisquer mon téléphone. On l'a caché quelque part. Et bah regarde. Oh, mince. Punaise, faut pas qu'il se réveille. Comment je vais faire? Oh, s'il voit ça, il va savoir direct que c'est moi qui ai cassé son téléphone. Là, j'avoue que j'ai abusé, j'ai même pas fait exprès en plus. Je voulais juste le cacher pour... Tant pis, je vais dire que c'est Lily Rose qui a fait ça. Et elle va pas être punie parce que c'est la préférée. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites n'importe quoi dans ma chambre. Mais... Qu'est-ce que... Oh, mais vous faites du bruit, Lily Rose, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es dans ma chambre? Je faisais ma sieste. Mais... Bah, je peux pas aller dans ta chambre. Il est où mon téléphone? J'avais mon téléphone sur moi. Je sais pas, moi. Quoi? Mon téléphone a... Hey, t'as vu, il est cassé. Oh là là. Oh non, c'est toi qui as voulu le prendre ou quoi? Mais pas du tout. Bah attends, j'étais en train de dormir, j'avais mon téléphone sur moi. Bah c'est pas moi, c'est peut-être toi qui l'as balancé ou je sais pas moi. Ça m'étonnerait, je l'ai... Oh là là, mince. Bah, c'est pas moi, je pense que ils ont découvert la surprise. Oh non, non, c'est pas possible. Bah... Y a que toi ici, Lily Rose. Mais si, il est là. C'est pas possible que ce soit moi, fais voir. Regarde, regarde. Mais non, il c'est est pas fêlé, moi. Là. Et je peux même plus l'allumer. Oui, bah ça, c'est pas grave. Écoute, je vais aller le voir. Oui, il vas-y, doit être quelque part dans la maison. Vas-y. Esteban, t'es où? J'y crois. Esteban pas. Oh là là. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Je vais regarder les images de la caméra de surveillance et on va bien voir ce que ça donne. À mon avis, c'est Esteban. Oh, mais je m'en doutais. C'est Esteban qui l'a pris. C'est même lui qui l'a fait tomber. Maintenant, il est brisé en deux, le pauvre. Oh là là, mais Esteban, il ment tout le temps. Il m'accuse toujours, ça m'énerve. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Lily Rose? J'ai vu les images de caméra de surveillance, là. De quoi? Bah, en fait, c'est Esteban. Comment ça, c'est Esteban? En fait, pendant que tu dormais, il a pris ton téléphone, il a fait ça comme ça, là, et il est tombé. Et voilà. Montre-moi les images. Mais t'as vu, c'est Esteban, je suis la vigile. Eh ben oui, c'est lui. Et il t'accusait à tort, en bah fait. Bah oui, bah pour ouais, que c'est je te ça. Punisse. Bah oui. Attends. Et pour que lui, il ait rien. Ouais, ouais, bah c'est toujours écoute, comme ça. Il aurait pu me le dire quand même, hein. Ouais. Hein? Et Esteban, reviens ici, là, on t'a vu. Ah, allez, viens. On sait ce que t'as fait. Comment ça, ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi, j'étais en train de... voilà, je m'amusais en bas, tranquille. Allez, j'ai très bien vu sur la vidéo, Esteban, que c'était toi qui avais fait tomber le téléphone à terre. Comment ça, sur la vidéo? N'importe quoi, je suis sûr que c'est Lily Rose qui m'a dénoncé alors que c'est elle. Je vois pas de quoi tu parles. Alors, tu vas te calmer, hein. Tu pars à Paris, là, si tu veux. Et puis, on en reparlera plus tard. Comment ça, partir à Paris? N'importe quoi. Bah puisque tu veux que je parte loin, bah je vais partir longtemps et pour toujours presque peut-être et loin. Allez. Ah bah voilà, il est vexé. Ça lui apprendra à faire des bêtises. Hein. Ouais. Allez hop, bon vent, on sera tranquille pendant une journée et puis il nous laissera tranquille. Ouais. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Lily Rose, maintenant? Bon. Moi j'ai plus de téléphone, hein, regarde. Il est cassé. Ah, ça c'est Est-ce que tu pourras me prêter le téléphone? Ah non, va retourner à tes occupations. J'ai tes coups de téléphone très importants à donner. Bah, moi aussi. Bon, mais tu peux me prêter ton téléphone quand même. Bon, écoute, si c'est ça, je vais aller en chercher, en acheter un autre. Voilà les amis, regardez. On est à Paris, on est dans le 9e là, arrondissement. Bon, je pense que ça se voit que ça ressemble pas mal à Paris. Et franchement, je sais pas quoi faire. Ils m'ont demandé de venir ici, ils m'ont dit ouais, vas-y, pars de la maison. Bon, bah, du coup, je suis parti. J'ai pris le premier train, je suis rentré. Attendez. Non, mais. Jérémy? Jérémy? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, en je suis plus, pas allé, t'es allé chez YouTube là? Ouais, je suis allé chez YouTube et tout. Non, mais c'est un truc de fou que je te croise ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ils viennent de me virer de la maison là. T'es sérieux? Ah ouais, non mais c'est un truc de dingue. J'ai fait un prank à Peppa Pig, il a mal pris, il m'a viré et tout. Mais non. Bah si. Non mais là c'est... Attends, tu dors où la soirée et tout ça, tu fais quoi? Ah non mais là, bah ce soir j'ai nulle part où dormir. Bah, je sais pas quoi faire. Tu veux dormir chez moi? Ouais. J'ai pris une chambre et tout ça. Quoi, t'as dit à Paris maintenant? Ah oui. J'ai pris un logement sur Paris moi récemment. Ah t'habites à Paris maintenant? Ah, ah bah coup, ouais, bah ici, je veux bien parce que là moi je savais pas quoi faire. Les amis, mais j'ai... Non mais j'ai... Mon téléphone.
Non, j'ai même pas pris mon téléphone. Les amis, je vous jure, j'ai rien pris là. C'est incroyable, je suis parti à Paris dans le premier train qui venait et je savais même pas. Je me suis dit, bah cette nuit, tant pis, je sais pas. Je vais essayer de... Attends, tu te rends compte de la taille de Paris pour qu'on se croise? Ouais, non, mais heureusement que je t'ai croisé parce que là, ça fait aller une heure que je marche dans Paris. J'ai allumé la caméra que maintenant. Vas-y, bon, bah soir, les amis, du coup... Ce soir, tu dors à la maison. Ouais, bah j'espère que t'as tes clés de maison. Ouais, c'est parce que moi, j'ai pas pris mon téléphone. Ouais, c'est bon, je sais. Elles sont où? Elles sont dans ma poche. Montre. Ah non. T'es en train de me mentir là. Non, attends, je te jure. Attends, je t'as pas tes clés? Non, mais tu me mens, t'as pas d'appartement à Paris. Mais si. Mais Jérémy, tu me fais un prank. Non, mais. Bon, mais Jérémy, c'est bon, pas la peine de mentir. T'as pas d'appartement à Paris, t'as pas d'appartement à Paris. Si, j'ai loué. Du coup, on est tous les deux dans des problèmes maintenant. On a tous les deux un problème. On sait pas où dormir cette nuit. Ah, je voulais te faire plaisir. On sait pas où dormir cette nuit. Lui, il me dit j'ai un appartement. Non, mais c'est-à-dire que là, j'aurais attendu pendant 3 heures d'aller à ton appartement. À la fin, tu m'aurais dit, mais en fait, y'a rien. Mais si, y'a un truc, tu verras. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que. On va marcher un peu dans la rue comme ça et on va essayer de trouver une solution. Et on se retrouve tout à l'heure. Le truc qui serait top. Imagine, on trouve des clés dans la rue, on trouve des clés, on trouve des clés, et comme par hasard, ça ouvre un appartement et tout qui est prêt, un Airbnb ou un truc comme ça. Tu veux me dire qu'on va trouver des clés, qu'on va trouver exactement où est-ce qu'ils sont? On peut avoir de la chance, mais en tout cas, sinon, on rentre à pied chez nous, on rentre à pied à Lille. On a déjà fait 60 000 pour continuer. Les amis, on se retrouve tout à l'heure. Les amis, je crois que la dernière fois qu'on a filmé, on était dans la rue. Il ne m'a pas menti, il a retrouvé ses clés. C'est bon, j'étais là. Ah non, c'est un truc de fou là. Elles étaient là. Bon bah voilà les amis, en fait Jérémy a bien un appartement. Bon, il a pas déménagé à Paris, vous inquiétez pas, vous allez continuer à le voir dans les vidéos. Ouais. C'est juste qu'il a loué un Airbnb. Il va rester là pour quelques jours et tout. Et en plus, regardez, il y a la place. Moi, je vais dormir là. Lui, il va dormir là. C'est un clic-clac. Ouais, donc, on est bien. Regardez, petit Airbnb au calme. On s'est pris une petite pastèque. Moi, j'ai pris mes billets de train pour demain. Petit fond de tout. Dans 2 jours, la salle de bain qui est toute petite. Mais ouais, toi, tu rentres dans 2 jours. Du coup, moi, je rentre demain. Ouais, j'ai eu Lily Rose au téléphone. Ils veulent bien me récupérer. Donc, tout va bien, qu'il finit bien. Mais franchement, les pranks. Dites-nous en commentaire si vous voulez encore des pranks. Parce qu'à chaque fois, si je me fais virer à Paris, au bout d'un moment, il n'y aura pas toujours Jérémy pour me récupérer. Donc, en attendant, vous, les amis, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un like, vous abonner à cette chaîne, activer la cloche surtout, sans modération. Et allez voir une vidéo qui apparaît juste ici ou là. Ça nous fait toujours plaisir. Allez voir notre dernier clip, notre dernier tout. À la prochaine. C'est ton anniversaire, à donf avec les frères. Ouais, c'est ton birthday. Cliquez sur la vidéo là.